I think they called me 47. That's not a name. So make it one. All right. Agent 47. You were always the best. Nobody ever came close. You defined the art, and it defines you. Your actions have changed the world. Powerful men have fallen by your hand, but by the same token, others have risen. Do you realize what kind of world you've been shaping? Does the ICA? Does your handler? I live in that world. I have seen the consequences. I have felt the cost. That's what defines me. Good evening, 47. Your destination is the Paris Fashion Show by Sanguin, one of Europe's leading couture brands. Your targets are Sanguin owner Viktor Novikov, a former oligarch turned fashion mogul, and his partner Dalia Margolis, a retired supermodel, an iconic power couple on the global fashion scene, and two of the most dangerous people in the world. Novikov and Margolis are in fact the ringleaders of Iago, an enigmatic spy ring that deals in the global elite's most valuable secrets. Unscrupulous and opportunistic, Iago has caused disastrous security leaks all over the globe. When Crimean separatists caused a deadly meltdown at the Odessa nuclear power plant, Iago gave them access to the plant security network. And when the Delgado drug cartel shot down the plane of President Hernandez and his family, Iago provided the classified flight plans. Now Novikov and Margolis have obtained a knock list of British undercover agents, which they plan to sell at a secret Iago auction during the Sanguin show. So our client, MI6, need us to stop the ringleaders before the knock list ends up in the wrong hands. The Sanguin show will be swarming with security, and Viktor Novikov will be the focus of everyone's attention. But despite his posturing, he is merely the money man. The real target is Dalia Margolis, beautiful and brilliant. She is a master manipulator and the true brains behind Iago. Two targets, a highly public event. At first glance, an impossible task. Then again, I do know how you love a challenge. I will leave you to prepare. Pour m'infiltrer dans le bâtiment, j'ai fait jouer mes contacts. J'ai eu un boulot de cuisinier le temps de la soirée. J'ai voulu monter dans les étages, mais je me suis fait détecter par les caméras. Il fallait que je les désactive. Et j'ai donc enclenché un plan pour les désactiver et faire d'une pierre deux coups en récupérant un uniforme d'agent de sécurité. L'objectif était de créer un court-circuit pour faire une diversion et pouvoir neutraliser un garde. Ok. Ah, this seems pretty easy. If this goes to this. Une fois le garde neutralisé, il ne me restait plus qu'à cacher le corps et prendre ses vêtements. Ainsi, j'allais pouvoir être indétectable dans le reste du bâtiment. Désormais, le champ était libre. Je pouvais tranquillement effacer les preuves de mon passage et agir sans crainte de me faire détecter à un moment donné dans ma mission. L'objectif maintenant, c'était de savoir où situer ma première cible et de mettre en place un plan. Je me suis donc dirigé directement dans la cuisine et puis je me suis dit que j'allais empoisonner directement la nourriture et que soit la cible, soit le garde du corps allait se laisser tenter et tombé dans mon piège.
J'avais plus qu'à patienter le temps que le sédatif fasse effet. Après quelques minutes d'attente, j'ai entendu un bruit, comme si quelque chose venait de tomber. J'ai donc décidé de profiter de la confusion pour retourner dans la cuisine et voir un peu ce qui s'était passé. Quand j'ai vu le garde par terre, je me suis dit que j'allais pouvoir en profiter pour m'emparer des clés et du téléphone du garde du corps. J'étais sûr que ça allait me servir un peu plus tard. Ce téléphone me semblait parfait pour déclencher une fausse évacuation. Après avoir examiné les plans du bâtiment, je savais à peu près où les cibles allaient se réfugier. Il ne me restait plus qu'à y aller et préparer mon piège. En entrant dans la pièce, j'ai entendu un garde sur le balcon. J'ai pris le premier objet que j'ai trouvé et j'ai décidé de l'assommer avec. Il ne me restait plus qu'à trouver un endroit où cacher le corps. J'ai donc décidé de le cacher sur un balcon proche, où j'avais plus qu'à croiser les doigts pour qu'il ne soit pas repéré. Une fois ce petit détail réglé, j'ai voulu m'occuper du garde de l'entrée. Je me suis dit que ça me coûtait rien de m'en débarrasser également. Et j'ai décidé de le mettre au même endroit, en me disant que si ça passait pour un, ça pourrait potentiellement passer pour un autre. Et après ça, il ne me restait plus qu'à déclencher mon évacuation. Les cibles allaient être amenées en lieu sûr et j'avais plus qu'à les cueillir. Et quelques minutes plus tard, tout le monde était présent. J'ai attendu que ça se calme, que les gardes partent. J'ai pris mon arme, j'ai fait s'écrouler le lustre sur mes cibles. J'en ai profité pour assommer leur garde du corps. Pour vraiment, personne ne me repère. Il ne me restait plus qu'à m'extraire du bâtiment en toute discrétion. Je me suis rappelé que j'avais la clé du bateau du garde du corps, donc que j'allais en profiter pour m'évader avec son bateau. La mission était une réussite, les deux cibles étaient mortes. Je ne me suis pas fait repérer, j'avais plus qu'à partir. How was Moscow? Kamarov is gone. I set him up as a Langley spy. It's quite the scandal at the FSB. His death will not be investigated. Your turn. Very well. The secrets of the global elite. 5 years of work. Everything we've collected. This thing makes WikiLeaks look like a gossip rag. The pen beats the sword, huh? I have found that whoever wields the sword decides who holds the pen. Smile, Victor. Your reputation is safe. Now run along. I'm sure you have pretty dresses to attend to. Victor, good luck with the show. I have a feeling it's going to be the one you'll be remembered for.